J'aime beaucoup le calcul mental, enfin celui que je réussis, car il y a des limites. Certains calculs sont faciles, d'autres pas, mais avec un peu plus d'entraînement, on peut arriver loin. D'ailleurs, il existe des calculateurs prodiges, dont je ne fais pas partie. Le peintre russe Nikolaï Petrovitch Bogdanov-Bielski a immortalisé un calcul mental dans une école de village en 1895. 1895. La toile, ici reproduite, se trouve à la galerie Tretiakov de Moscou. Au dernier plan du tableau, on voit écrit le calcul suivant. 10 au carré plus 11 au carré plus 12 au carré plus 13 au carré plus 14 au carré sur 365. 11 élèves y sèchent. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un premier souffle son idée à l'oreille du maître. À sa droite, l'enfant en bottes, chaussé en bottes, fils de riche peut-être, paraît rêvasser. Un autre tire l'oreille pour deviner ce que le premier souffle. Et puis le plus grand prend un air inspiré, tandis que deux enfants ici discutent entre eux. Et au premier plan, oui, au premier plan, il y a un qui est plongé sérieusement dans le calcul. On devine sa détermination de trouver la solution. Il s'isole pour se concentrer davantage. Étant prof moi-même, je ne puis que reconnaître de telles attitudes de mes élèves depuis des longues années. La génialité du peintre est dans le fait d'avoir surpris pour toujours ces moments de recherche heureuse ou défaillante. La scène est bien vivante et, à mon avis, suggère très bien l'émulation créée par l'exercice. Essayons ensemble ce calcul mental. Je vais dire à haute voix ce que je pense dans ma tête. Alors, 10 au carré, tout le monde sait, ça fait 100. Quant à 11 au carré, dans ma tête, je dirais 10 plus 1 au carré. J'utilise l'identité remarquable, A plus B au carré. Donc ça fait 10 au carré, 100, plus 2 fois 10 fois 1, plus 20, plus 1 au carré. Tout ça, avec un peu d'entraînement, je fais dans ma tête. Quant à 12 au carré, la même chose, c'est 10 plus 2 au carré. 10 au carré, ça fait 100. 10 fois 2 fois 2, ça fait 40. Plus 2 au carré, ça fait 4. C'est 144. Déjà, on va additionner ça de tête. Fermez les yeux et rappelez-vous ces nombres, 100, 121, 144, la somme, 100 plus 121 plus 144 égale 365. Tiens, exactement le dénominateur. Pour le 13 au carré, même manœuvre, 100 plus 2 fois 3 fois 10 plus 60, plus 3 au carré, 9. Avec un peu d'entraînement, 169. 14 au carré, pareil. 10 au carré, 100. Plus 2 fois 4 fois 10, plus 80. Plus 4 au carré, plus 16, égale 196. C'est drôle, 6 et 9 se sont inversés. Et bien sûr, la somme. Si on ferme les yeux, 169, 196, de 196 jusqu'à 200, il me faut 4, je soustrais 4 de 169, ça fait 365. Ouvrez les yeux, 365 pour cette somme-là, 365 pour cette somme-là, la division, ça donne bien sûr 2. Je trouvais joli cet exercice car, après les complications, il y a un happy end. Le résultat est simple.
2. Vous avez les nombres consécutifs, 10, 11, 12, 13, 14. Ça me donne un sentiment de calme, de sérénité. Puis, quoique les carrés, ça m'inquiète un peu, mais pas trop. Passons de l'arithmétique à l'algèbre. Bien sûr que je me demande si on peut généraliser cet exercice. C'est-à-dire trouver les nombres x tels que x moins 2 au carré plus x moins 1 au carré plus x au carré soit égal à x plus 1 au carré plus x plus 2 au carré. La somme de 4 carrés de nombres consécutifs, de 3 carrés consécutifs, est-ce que serait égal à la somme des 2 carrés suivants? X moins 2, x moins 1, x, x plus 1 et x plus 2 sont les nombres entiers consécutifs. Autrement dit, résolvons cette équation. Si on développe, si on réduit, je vous laisse cette tâche, je vous assure qu'on trouve x facteur de x moins 12, résolvez par vous-même, égale 0. Un produit est nul quand un des facteurs est nul. Alors, ou bien x égale 0, ou bien x moins 12 égale 0, c'est-à-dire x égale 12. Et voilà, on retrouve x 12 ici. Là, ça va être 11, 10. Donc voilà les nombres 10, 11, 12, et puis 13, 14. La somme des carrés de ces nombres-là est égale à la somme des carrés des deux suivants. Pour x égale 0, on trouve la suite moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, quand x égale 0. Vous avouez que c'est une suite bien moins intéressante que celle de tout à l'heure. Bien sûr, ces suites portent un nom, c'est les suites de Raczynski. Raczynski n'étant personne d'autre que le maître qui a existé vraiment, qui a été peint par Bogdanov Bielski. Je suis l'heureux possesseur d'une carte postale émise en 1929 par la poste soviétique, reprisant le célèbre tableau. On remarque le tirage de 75 000 exemplaires et surtout la traduction en français. M. Bogdanov Bielski, la leçon d'arithmétique. La carte a circulé vraiment, ce qui lui donne plus de valeur philatélique et sentimentale. Le mot dengi, argent, apparaît deux fois. Du reste, le texte d'une belle écriture, comme vous voyez, reste une énigme pour un débutant en russe que je suis. Nous avons donc voyagé dans une école russe de village d'il y a plus d'un siècle. Regardez les habits, les chaussures des élèves, le grand poêle blanc en faïence derrière le tableau noir. Puis dans un peu d'arithmétique et d'algèbre, niveau collège. L'ordre monotone de 10, 11, 12, 13, 14 et l'angoisse de leur carré se trouvent rassurés par la chute heureuse du final résultat, 2. Mais par-dessus tout, j'aime bien le 365 lié à la durée de l'année, donc au temps qui passe. L'angoisse du temps qui passe nous fait parler du temps qu'il fait, dit l'écrivain raté dans le célèbre film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. À propos, quel temps fait-il chez vous maintenant? Il est peut-être le moment de sortir ou aller sur le site de l'Association française du calcul mental qui organise des tournois. Oui, de calcul mental. Il y a même un forum avec une centaine de membres. Bon calcul mental.